gabba, we accept you, we accept you, one of us. Gabba gabba, we accept you, we accept you, one of us. Freaks est un film de Todd Browning, sorti en 1932. L'histoire suit la trapéziste Cléopâtre arrivant dans un cirque ambulant, mettant en scène des comédiens ayant des malformations physiques comme Phénomène de Foire. Cette dernière s'amuse de Hans, l'illusionniste tombé sous son charme. Mais lorsqu'elle apprend qu'il va hériter d'une immense fortune, elle formante un plan avec l'aide d'Hercule pour manipuler le pauvre amoureux. Lorsque le film entre en écriture, Universal lançait son célèbre Frankenstein de James Whale. Craignant de voir le studio prendre une trop grosse part du marché, la MGM fait appel à Todd Browning, déjà célèbre pour son adaptation de Dracula, afin de s'attaquer à Freaks. Le film marque son époque et fait rapidement scandale. Une scène est retirée du montage, mais le mal est fait auprès du public. Rapidement censuré dans plusieurs pays, il est considéré durant la Seconde Guerre mondiale comme perdu. Ce n'est que dans les années 60 qu'il est finalement retrouvé et qu'il commence à gagner en popularité jusqu'à devenir culte. Si les cinéphiles l'ont élevé à ce rang, il reste toutefois assez méconnu du grand public. Il y a pourtant une scène que tout le monde connaît. Les personnages sont en train de manger et un malaise s'installe chez Cléopâtre qui ne désire pas se mélanger aux autres artistes du cirque dû à leur différence. Pour se moquer d'elle, le groupe entame cette chanson. Et cette chanson, vous l'avez déjà certainement entendue dans plein d'autres films. One of us, one of us, one of us, Google Gobble, one of us, we accept that one of us, Google Gobble, one of us, we accept that one of us, one of us, Google Goo. Congratulations, you're officially one of us. One of us, one of us. Qu'est-ce qu'un film culte ? Tout simplement un film qui marque les esprits, qui gagne une importance culturelle, pour être pris et repris dans d'autres œuvres comme référence géniale et reconnaissable au premier coup d'œil. C'est le public qui décide si un film devient culte ou non, et il est souvent capricieux. Ainsi, si je vous parle de Slasher Movie, le premier film qui vous vient en tête est certainement Halloween de John Carpenter, considéré comme un pionnier du genre. Et pourtant, 4 ans avant, le film Black Christmas de Bob Clark proposait déjà les codes stylistiques du genre. Un film dont personne ne se souvient aujourd'hui. Comme quoi... Pour en revenir à Freaks, plusieurs autres références se cachent dans d'autres films et séries. Il permet également à d'autres films d'exister, comme Elephant Man de David Lynch, reprenant en partie l'histoire vraie de Joseph Merrick. Au final, Freaks remet en question notre manière de voir un film culte, et de voir son impact sur la pop culture. On se trouve aujourd'hui dans un cinéma bourré de références où chacun est capable de se créer sa propre culture, et de la retrouver et l'exploiter n'importe quand.